Bonsoir tout le monde. Ici Milas et pas Kiba. Et non, j'ai repris le contrôle. Ça se passe pas comme ça chez moi. Ok, on se retrouve pour la seconde game entre. Si je suis toujours là, dans un coin. T'es fou, tu fais peur. On se Oui. retrouve avec la seconde game entre Delphi, donc Athéane Delphi, et le petit ESC Goody. Donc ouais, on a vient de voir la première game, je me sens que c'est un best of 3, je sais plus pour quel match c'était fait. Mais bon, c'est un best of 3 entre ESC Goody et Delphi, ce qui normalement va nous mettre encore du joli, du grand jeu. Une game qui était sélectionnée par Dregan, donc ouais, je tiens à remercier Dregan également, qui donne un peu de son temps pour trouver des games plutôt intéressantes. Parce qu'à la fin, voir que du EG Milas, il y en a marre, et je peux le comprendre, surtout que c'est un gros fake. Non. C'est un Si, fake? ouais, c'est un fake, je crois que c'est un fake. Non, je joue pas encore avec les rageux type Hydra, tout ça. Mais un jour, peut-être, vous verrez Milas avec Hydra. Non, donc, ouais, vous avez remarqué, hein, bien sûr, que la graphique a vraiment augmenté. Merci beaucoup, Kiba, pour le PC. Il faut vraiment que je te remercie. Un Pour les démarrage. dons, envoyez donc ça à l'adresse suivante qui s'affiche en bas de l'écran. Donc un démarrage plutôt classique à la fois pour ATN, Delphi et ESC Goody. Donc pour le moment, non, ATN Goody qui vient de poser un supply qui est parti sur une face expand. C'est ce qu'il est en train de me faire, je pense, hein. Il est bien parti pour, oui. Toujours pas, là c'est pareil, là. Il est Delphi rendu qui à est plus parti sur 300 000. une. Hatchverse, exactement. Et Goody qui se dit, bah rien à foutre. C'est ses first. C'est ses first, voilà, moi c'est un champion contre les airs. Ok, why not. Voir comment ça va se passer, mais deux SS qui vont sortir. Sans doute pour un pour scouter, le second pour se séparer de l'ouvrier. D'accord, ok. Le premier CS qui est en train de voler. Donc toi, tu parlais du wall là tout à l'heure. Comment voler contre un Zerg, simplement. Vous construisez vos baraques devant. Voilà, devant, comme ça, pas de soucis. La poule qui est rendue au tiers pour Delphi. Donc des marges plutôt macro game. A ton avis, il part sur quoi Delphi comme ça là? Vas-y, oh. Qu'il faut mettre là? Vas-y, dis-moi tout. T'en penses Qu'il quoi? faut mettre là? Ouais. Je le vois bien pour faire un rush hydraulique dans 2 minutes. C'est beau l'optimisme. Comment ça, il faut un peu plus de gaz? Ok, donc double caserne de la part de Goody. Goody qui n'a toujours pas pris ses gaz. Est-ce Non, que Delphi on peut imaginer que ça doit partir comme la première game. Un seul gaz pour l'instant. Ouais, et Moi, j'imagine que la B3 va pas forcément trop tarder. Qui va essayer simplement de vouloir sécuriser un peu l'environnement. Et pendant ce temps-là, le petit Goody qui est en train de scouter, qui est venu voir la B1, la B2, qui va voir la B3, qui ne voit pas de B3. Je trouve toujours les Zerglings rigolos de les voir se déplacer un peu à feu Je sautille. Je sautille, je suis un Zergling et je sautille. Alors, quand ils ont le speed, c'est plus la même chose. Voilà, sautille, petit Zergling, sautille. Ok, toujours pas de gaz pris de la part de Delphi. Ah, qu'il a complètement annulé son gaz au final. Non, non, Delphi qui annule son gaz, c'est la première vue qu'il voulait juste faire D'accord. un extracteur trick. Ok. Et oh! Et là, on voit le choix technologique de Goody. Un gros masque caserne! Tout simplement, voilà, deux casernes Surtout, devant. Déjà en ProP5, on sent que là, il va y avoir quelque chose. Trois casernes derrière, à première vue, ce serait parti pour un petit all-in à base de masse marine, hein, tout simplement. Hein. A voir, je sais pas trop bien le jeu Terran, mais je pense que là, ce serait plutôt pour partir sur du gros masse marine. Ou un masse Reaper avec zéro de gaz. Masse Reaper sans gaz, c'est pas terrible, Kiba, hein. Je te rappelle que. Non, ça marche pas. Non, là, je vois bien le gros masse marine, là, clairement. A voir ce qu'il y a à faire, mais je vois vraiment un game bien parti comme ça. Pas de gaz, donc pas de tech. La B3 qui est posée pour le Zerg. Est-ce que Delphi a pris l'info? Est-ce que Delphi, voilà, Delphi qui va avoir un over mais qui n'a toujours pas l'info? Il est en train de voir. Par rapport il au gaz. Il est en train de voir, tu crois? Oui. Ah oui! Delphi qui a scouté l'ensemble des casernes. Très bien joué de la part de Delphi. Donc Delphi qui a posé sa B3. Alors, est-ce qu'il va répondre en posant le banning bust? Ouais, le banning bust serait une bonne alternative pour repousser ça. À voir. Pour le moment, il a l'air d'être trop inquiet. Non, ah non, il commence à produire quelques Zerglings. Ouais, 6 Zerglings, mais c'est plus 6 Zerglings, il est du rompant, mais c'est pas que ça. Et il pose le Banning Bust. Ah, le Banning Bust qui est posé, bien sûr, pour repousser le masse marine.
Le petit Athéen Delphi qui n'a même pas perdu son Overlord, donc voilà, qui a pu scouter tranquillement. Et ben là, je pense que SC Goody dans une mauvaise posture. Quand on vous dit que les verts finissent bon. Non, non, mais clairement, je vois mal le petit Delphi. Bah, il attend complètement le Mass Marine, hein, tranquillement. Effectivement, qui est fini dans 10 secondes. 7 minutes 30, le Mass Marine qui arrive, ok, peut-être, mais. Et le, oh lean, le gros lean de la part de Goody, bah, j'en ai rien à foutre, j'ai cassé la gueule, enfoiré. Je sors les VCS et tout. Sachant qu'en plus il est supply quoi, c'est Ah ouais, mais moi je mais il va libérer de la pop sans problème. Ah ouais, je m'appelle Goody, tu vois, la pop il va t'en faire. Ça commence à chancrer. Qui a été trouvé, les shanks qui ont été, voilà, les shanks, une 9 shanks qui ont été produits. Et en plus, actuellement le creep est en place qui permet donc éviter de guerre de gagner en vitesse. Exactement, le creep qui va aider à l'amélioration de vitesse des banlings. Et là on peut voir les VCS. Oh, les banlings arrivent. Oh non, pas de succès soul. Les banlings c'est Marine. Très bien joué de la part de Delphi qui est en train de se séparer de l'ensemble des Marines. Encore plus de banlings, des banlings qui arrivent au corps à corps. Oh mon dieu, ça va être très très dur pour Goody qui est en train de tout perdre, Goody qui perd tous ses Marines. Les uns après les autres, plus que 3 Marines, plus que 2 Marines, plus que 1 Marine. Ah, y'a plus de Marines. Et là le run-by va faire très mal. Et là c'est ce compte qui se prépare. Les petits marines qui courent. 30 zerglings en cours de production. Ah, 30 zerglings, cours Hubert, cours, dépêche-toi. Les marines qui devraient arriver à se séparer de l'ensemble des speedlings. Beaucoup de speedlings. Trop de speedlings. Là ça va être très dur. Il y a un rapport de 2 pour la pop là. Encore plus de chancres. Goody qui veut pas perdre. Goody qui wall tout simplement pour ne pas perdre cette game, mais c'est pas moins de. Oh là là, c'est une vingtaine. 8, 16 et 5. 21 banlings qui vont arriver à l'attaque. 21 banlings, tout saute, mais je suis là, plus en plein. Tout va sauter, les marines, tout va sauter, c'est terminé. Ah, les speedlings qui sont rendus à l'intérieur. Oh, le banlings. Très beau la part de la fille. Rage quit. Là, c'est le rage quit. Mais non. C'est le rage quit là. Mais non. C'est le Rage Quit. Voilà, très belle game, super intéressante entre Goody et Elfi. Et Delphi. Ouais, super intéressante, hein, all-in, l'autre qui se foire, c'est magnifique. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, messieurs, dames, je vous rappelle que vous pouvez me suivre ainsi que Kiba sur YouTube. Non, je suis pas sur YouTube, moi. Ah, mais moi, t'es sur mon lien à YouTube, donc c'est bon. Vous pouvez me suivre sur YouTube, donc Milas la rage du Protoss sur YouTube, Milas la rage sur Twitter, Milas la rage du Protoss / blog sur Facebook. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de cours, n'hésitez pas, vous m'appelez pas, vous appelez Kiba. Non, y'a pas de soucis. Je suis disponible pour entraîner les bronzes. Voilà, vous êtes entendu, si vous êtes bronze, Kiba se propose pour vous. Voilà, messieurs, dames, sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et on se dit à la prochaine. A bientôt, salut. Ah, tu remets le salut encore. J'aime bien le salut. Je vois ça. A plus. Tchuss.